Nous avons connu une période de pause qui a duré un peu longtemps. Et aujourd'hui, nous avons convoqué pour redynamiser la convention des socioculteurs. Vous êtes sans savoir que la convention des socioculteurs a contribué largement à la reconstruction de la paix en Casamance, puisque nous avons initié une nouvelle méthode de résolution des problèmes qui consistait à associer les communautés de base pour le règlement des conflits, puisque ce sont les communautés de base qui sont les véritables responsables de ce qui porte les armes. Et nous l'avons expérimenté, heureusement, nous l'avons réussi, car ça nous a permis, un, de faire cesser les armes, deux, de réunir l'ensemble des éléments du maquis autour de l'essentiel. Aussi bien le groupe Atika de Sidi Badji que le groupe de Monseigneur Abbé Diamakoun Senghor. Et ainsi, nous ont demandé, les deux parties nous ont demandé, comme chaque partie avait sa représentation à l'extérieur, qu'on aille les rencontrer au niveau de l'extérieur pour qu'ils puissent s'associer à la reconstruction, au retour de la paix en Casamance. Nous comptons aujourd'hui rebondir sur nos actions, c'est-à-dire conserver toujours la paix, le développement, la culture et même la santé. Et c'est le but de l'Assemblée générale d'aujourd'hui, monter un bureau. Et pour rajeunir, il faut aussi rajeunir le bureau, n'oubliez pas. Parce que ceux qui sont là, vous avez vu dans la salle tout à l'heure, nous avons perdu pas mal de vieux et qui sont dans les bureaux. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala les a pris. Ah, donc c'est toujours comme ça et c'est ça la vie. Mais les sociocultures continuent toujours à vivre. Pour certains qui pensaient que nous ne vivons pas, non, on travaille dans la discrétion. Parce qu'il y avait un moment, on avait tellement pris les médias que même ceux qui ne travaillent pas préfèrent être des sociocultures. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons dit à un moment, non, prenons un recul. Et aujourd'hui, nous avons dit avec nous, à partir de nous, qu'il faut régler la situation en Casamance. Et c'est pourquoi on maintient aujourd'hui l'Assemblée générale pour de la Convention des sociocultures de Casamance.